Peut-être pas lui faire du mal, hein. On va éviter. Allez. Mauvaise idée.
Non, bonjour, je voulais dire bonjour Thomas, ça va ou quoi? Évidemment, il voulait dire bonjour, le Kuno là. Il voulait dire bonjour. Bon, voilà. De toute façon, c'est pas là que je voulais travailler. Ça va, nickel. Ça va, tranquille, oubiou, mon petit Thomas. On est en train de faire un petit track sympatoche, je pense. Voilà. On la continue, et puis je me suis dit, tiens, continuons ça en live un petit peu. Manière de partager, quoi. Voilà. Je fais un peu écouter. Finalisé Parcoursup. Aïe, coup dur. Bon courage. Des trucs manière de maniérer, tu vois. Radio là, sympathique. Ouais, pas convaincu. Ah, faut jouer avec tout le reste. Thank you.
À moins que si, je peux continuer quand même. Aussi copier-coller le break. Hein. Ok, ça c'est une idée. Faut que je mette un lead du coup. Et c'est sympa. Merci Thomas. Merci Thomas. Sauf que là, quelle sonorité je prends? Très plucky, je pense. Comme quelque chose de très plucky. D'avoir chez Avenger. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah dommage, c'est bien comme on était, mais il y a le LFO qui me casse les... J'ai enlevé le LFO là, oui. Comment je peux faire? Enlever le LFO. Je ne sais pas. Yo le sang, yo le melon, ça va ou quoi? Le melon. La pastèque, ça va ou quoi? Oula.
mais là aussi, elle est faux, putain. Ouais, toi, BG. Bon, ça va. Moi, en vrai, ça va pas. Bah, pourquoi? Ah bah, à part pour sup. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, faut que je retravaille la mélodie, évidemment. Oh putain, la sonorité me plaît pas du tout. C'est dommage qu'il y ait ces putains de LFO sur les leads que j'ai trouvé là. Genre celui-là. Parce que il match super bien en vrai. Comment je peux faire pour l'enlever le LFO là? Ah bah voilà, j'ai trouvé. Alors, évidemment, hop, on va cloner ça. Je vais mettre l'autre que j'avais trouvé là, qui était cool aussi. Je sais plus lequel c'était. Ouais, c'est celui-là, je crois. Ok, maintenant il me faudra un truc plus plucky avec beaucoup d'attaques. On peut avoir ça. On peut avoir ça. Encore reçu la notif. Eh ben ça c'est bien ça. Bienvenue, bienvenue à tous. Bah, quitte le live TDR, c'est pas la meilleure idée de stay. J'ai trop bu hier. Ah bah oui, mais t'as trop bu. Bah voilà, assume. Hein. Bon, c'est pas la bonne sonorité qui me plaît ça. Il y a un truc, un pluck là, un lead pluck qui est pas mal là dedans. Il y a un lead pluck, certes. C'est quoi que j'ai derrière moi? Comment ça derrière moi? Là, ici, là? Ça? Le truc? C'est ça? Ah, c'est Colbina. C'est la mascotte officielle de mes lives. Ah, je vais pas arriver à trouver un bon layering, là. Hein. C'est pas très très ouf là encore. Hein. Ouais, je vais mettre beaucoup plus d'attaque, mais là. Déjà, ce lead-là, il me casse les noix. Il me casse les noix. Est-ce que j'ai pas un petit layering sympa qui traîne, là? Voyons. Stylé, la musique. Ouais, merci.
Mais en attendant que je trouve un petit layering sympa, hop, je joue la première partie de la track qui est plutôt intéressante, qui est pour le coup bien travaillée encore. Là, la suite n'est pas finie encore, hein, loin de là. Hop, ça arrive, tranquille. En train de charger, normal. Alors, un lit qui déconne là. Ah, c'est celui-là, voilà. C'est dégueulasse. Parfait. Alors, la tonalité est peut-être trop aiguë là. On va baisser. Ah, un sample splice, nickel. T'as l'air de bien aimer Avenger, mais Avenger c'est trop bien, Avenger. Avenger c'est carrément le feu. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on peut faire plein de trucs, il y a des sonorités très sympas. Et par exemple, il y a un pack d'Avenger qui s'appelle... Cite-moi tous les Avengers, j'en connais aucun. Qui s'appelle Atmosferica. Si tu veux mettre de l'ambiance dans une track, alors écoute le break. Pourquoi il n'y est plus? Attends, non, c'est pas ça. Genre Atmosferica de chez Avenger, tu vois? Je vais mettre de l'ambiance, ok, prends un truc comme ça. C'est vraiment très stylé. Je me fais ban si je dis que Sardoche il est un négro? Non, bah, c'est peut-être une évidence. Hein. Non. Si on voit que ça. Alors, tu veux un sample, Thomas? Eh ben, c'est bien. Nickel. Hop, page 159. Allez, boum. Page 159, le son, s'il vous plaît. Allô, le son. Hop, 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 hop. Donc on a dit page 159, dépêche-toi, on n'a pas le time ici. Let's go, et le sample numéro. Envoie-moi MP, Thomas, de suite, STP.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça que t'as gagné. Ah oui, j'ai compris, oui. Nul. Nul, oui, nul comme la blague de Cozy en vrai. Pas terrible, pas terrible. Ouais. Une protubérance grosse, hein, oui, bon, on a compris. J'avais pas compris sur le coup, hein, bah, par rapport au N-word, mais d'accord, ok, ça marche. Pas de soucis. Ok, bon bah oui, il n'y a que des samples nuls, hein, de toute façon, ce place, hein. J'ai l'impression. Mais je suis pas raciste. Alors quand on a besoin de préciser ce genre de choses, c'est qu'on l'est, hein, concrètement. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bah Avengers, c'est cool. Et je suis en train de me demander si je vais vraiment mettre un lead en fait en deuxième partie de drop. Je vais peut-être pas mettre un lead en fait. Non, je vais pas mettre un lead. Bon là, je suis pas raciste. Eh oui, non, mais je le dis, si tu as besoin de le préciser, c'est que c'est que tu l'es un petit peu, mon pote, hein. Eh oui. C'est comme si par exemple moi je te dirais, écoute, je veux pas être méchant, mais t'as l'air d'un gros con. Non, je rigole évidemment, mais c'est pour l'exemple, hein. Je veux pas être méchant, mais Thomas, il a un pseudo de merde. Tu vois? Alors tu te dédouanes pour te dire que tu veux pas être méchant, mais tu l'es quand même, hein. Je veux pas être méchant, mais j'irai pas te dire bonjour, tu vois. Ben non, juste. C'est pas raciste, c'est raciste. Ah, oui, bah oui. De toute façon, désigner quelqu'un par sa couleur de peau, en soi, c'est déjà une preuve de racisme. Et je dis que je suis... Oui, non, mais oui, tu dis le contraire de ce que tu penses. Pourquoi j'ai pas de son à mon vocal shop? Ah, j'ai dû le muter. Ah, je suis con. Ah, ça y est, ça commence à me frustrer parce que j'ai la première partie de la track comme d'habitude, mais j'ai pas la suite. C'est un troll. Oui, j'avais compris, j'avais compris. Tu vas faire des paris avec les coins Twitch? Des paris? Ah, des prédictions? Ouais, ça peut, ça peut. Bah, j'ai demandé à mes modos d'en faire quelques-unes. Bah, je pense qu'au live de ce soir, bah, il y en avoir quelques-unes qui vont tomber des prédictions, hein, par rapport au Clash Challenge, ouais. En vrai, ouais, ça peut, ça peut. D'ailleurs, il faut que je leur dise, hein, aux modos. Je vais leur dire de ce pas. Hop. Envoie un petit message. Nickel, parfait. Ah, c'est bien. Mon rendu média encodeur qui m'indique qu'il reste 5 heures! Mais quel est ton PC, Cozy? Quel est ton PC? Mon Dieu, c'est plus un PC, c'est un Celeron à l'ancienne, là, un Pentium. Faudrait que je trouve une référence track dans le même style à peu près. Peut-être Allez, je déteste ça, mais Marshmello peut-être, hein. Faudrait que je trouve des références track. J'ai pas la suite, j'ai vraiment pas la suite. Comme je veux tourner ça très pop, hein, au final, ouais, je m'inspire. Est-ce que vous avez peut-être une idée d'une musique de Marshmello qui pourrait ressembler dans la construction? Bien, j'ai rien. Never felt a feeling of comfort. No, me, there's no point in trying.
up, shave your skin. Ah, en fait, c'est du copier-coller hein, au niveau de la constru. J'ai juste rajouté les drums en deuxième part. Ah, ouais, d'accord, ok, je vois le délire. Mm-hmm. Un i7 de seconde gen, mais c'est acceptable de 2 GHz, 2,5 GHz. Ouais, ça va encore, ouais, j'avoue. Mais ouais, non, ça va. Ça doit être un truc avec un gros. D'avoir beaucoup de. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit être un gros projet! Et qu'est-ce que tu fais comme montage au fait, Cozy? L'autre jour, tu m'as pas répondu du coup. C'est des montages pour quoi? Montage perso ou montage pour d'autres personnes? Le problème, c'est ma carte graphique, c'est une GTX 860. Ah oui, ah oui. Elle est pas au niveau. Hein. Elle est pas au niveau. Je fais des vidéos et pour d'autres personnes. Ah ouais, sérieux? Envoie-moi ta chaîne. Je vais aller voir. Je suis curieux. Ok, là t'as le drop. Donc là il y a juste la basse avec les drums. D'accord, je vois le délire. Pas encore fait de vidéo sur ma chaîne pour l'instant. D'accord, ok. Nice. Bah c'est cool. C'est cool. Ah, j'espère que tu vas t'y lancer bientôt, hein, si t'as envie, hein, évidemment. Si c'est ton objectif. Alors, il faut le savoir que ça, c'est un sample splice à la base. Le début de Friends de Marshmello, c'est un sample splice. On peut peut-être essayer de le retrouver, d'ailleurs. C'est un sample splice, normalement, de base. Alors attendez, Marshmello, Friends, hey. On va essayer de le retrouver, tiens. Une batte, il nous dit que c'est en A minor. Donc du coup, si on prend guitare et qu'on se met en A minor, on peut essayer de le retrouver. Ça va être long, pour rien, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, en acoustique, on va déjà filtrer comme ça. Ok, je vais peut-être pas faire les 18 pages, hein. Bref, bon, tout ça pour dire que la guitare du début de Friends, bah, c'est une guitare qu'on peut trouver là-dedans. Nickel. Comme quoi, un splice, hein, c'est peut-être utile. Hein. Donc alors, moi j'étais là à analyser. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. Since we were like 10, yeah, don't mess it up. Don't go look at me with that look in your eyes. Ok, bon, faut que je revoie un petit peu ma construction là. I'm
Ah, c'est cool. Alors, j'ai dit je copier-coller la construction. Là, c'est raté. Mets tout ça là, hop, on repart à zéro. Garder la guitare en fait. Une tête quand tu penses on dirait tu vas tuer quelqu'un. Non non c'est pas ça, c'est juste que c'est bah c'est sérieux en vrai hein, la musique et puis ça demande de l'imagination donc je vais baisser le son du live mais pas de ta voix s'il te plaît. Ah c'est trop fort, c'est trop fort. Je sais pas. Après je parle pas beaucoup quand je compose donc normal qu'on m'entende pas hein. Jamais. Ça, je vais l'enlever. Là, je peux le garder. Là, je vais décaler, je vais mettre ça là. Ok. Ok, c'est pas mal. Par contre, je crois que je vais changer d'acapella au final. Hein.
Bon, est-ce que ça s'enchaîne bien? J'aime pas le kick. Oula, le CPU commence à prendre cher. Alors, calmons-nous, hop, voilà. Déjà, on va mettre un petit filtre. Yes. Ah. Ici. Alors. Ok. Yes. Est-ce que je pourrais... Bah, je vais reprendre le drop. Est-ce que je copie-colle le drop ou j'essaye de varier un petit peu? Telle est la question. Je ne sais pas. J'ai tendance à vouloir copier-coller le drop. On va voir si j'ai besoin de le copier. Alors déjà, on va commencer par là. Bah, copie-colle, bouh! Pas copie-coller, bouh! Bah quoi? C'est bien de copier-coller.
Je vais mettre un petit post drop par contre. Elle est où ma basse? Elle est où ma basse? Ah, j'ai perdu ma basse. Oh! Alors là, j'ai mes cordes. Ah, elle est là! Mais qu'est-ce que vous là? Elle est là, ma basse, normalement. Voilà. Y'a plus de saké, ou quoi? Un petit sidechain.
Fini. Si ça fait trop de mettre ça. I don't know.
Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout jouer. Déjà, je vais save, parce que ce projet a tendance à crash énormément. Et on va voir ce que ça donne. Let's go. Let's go. Hop. Salut Aki, ça va ou quoi? Hello. Je vais regarder des animés. Eh ben, bon animé, Thomas. Et toi, ça va, tranquille. Ah, ça s'enchaîne pas bien.
track là, j'ai du mal à trouver le bon kick, une vraie galère. Ah, est-ce que t'as une référence? Pareil, je peux t'en trouver un. C'est pire que tout. J'y arrive pas! C'est une musique style Matisse and Sotko, etc. Ouais. Référence plus précise. Ah, ça s'enchaîne pas, c'est con. Fais chier. Tant pis. Ça va être un mode classique. Allez. C'est comme c'était. Dommage. Dommage, 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 dommage. I. Ah. Oh. Ah, ça dégage. Alors, Martin Garrix, Matisse Sacco, Together. Ok. Last match. Martin Garrix. J'en trouve pas. Alors, on va essayer de trouver. T'as l'année de sortie des fois? Quoique, je pourrais aller chercher. Ah! Oui, ça irait plus vite d'aller chercher. Martin Garrix, Together. Let's go. Ok, kick 2 de Nicky Romero, en vrai. Kick 2 Nicky Romero, mon petit Akikatsu. Et coucou les autres, c'est le Go réduction, donc il faut une minute vraiment le tour complet. Yvan Cohen, et d'ailleurs je vous les présenterai très certainement, il a vraiment été étudié pour générer des mots, en fait. Bah, alors ça permet de, on va se mettre juste un petit 4-4. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a, bon, après voilà, on a des filtres Ça, il faut d'affiches. ça, c'est kick 2 qu'il faut pour ce genre de kick. Après, moi, ce que je peux avoir au pire. Attends, bouge pas. Hein. Pas bouge pas, bouge pas. Je retrouve mon pack, voilà. Ika. La rigueur, j'ai ça. Non, c'est pas ça. Non, faut que je la retrouve, je vois bien qui. Je vais plus le retrouver ce kick. Ok, bon moi bah, je l'ai plus. Et kick 2, je sais que pour les kicks de Progressive House, en kick 2, t'as le kick de Nicky Romero qui est le même. Je pense que c'est le même. Au pire, chez Matt Ryzen, quoi. Chez Matt, est-ce que tu prends le même kick? Je sais pas. Ouais, c'est pas un kick. Un kick, ça. C'est pas encore moins un kick, ça. Pourquoi il n'y a pas de son? D'accord, mais il est flingué. Vu que je t'envoie le projet, tu me diras ce que je peux améliorer. Ouais, je suis un peu cagneux là, je t'avoue. Je sais pas. Bon, je vais pas tarder à cut là. Pause avant de lancer le live de ce soir. Mais vas-y, on voit, on voit. Je me fais juste une dernière écoute de mon projet à moi et puis après je te dis ça.
Que je suis mute et que super, voilà, nickel, mais yes, stream de qualité, hein, toujours, hein, dans les règles de l'art, mais ouais, je disais, on est pile le même nombre, du coup, Héroïque, et ça, c'est génial, donc, bah, c'est parfait, et du coup, ce sera plus un match d'exhibition, je disais, pour nous, voilà, qu'une vraie compétition énorme, donc, oui, on connaît le résultat d'avance. Est-ce qu'on a besoin de le jouer? Oui, on le jouera, mais bon, voilà. Un compte en raid ou pas? Bien sûr. Bien sûr, si tu veux la line-up complète, du coup, bah, il y a Odéon, Kissem, Red Rikudo, Klein et moi-même. Voilà. Donc, Aïe. Et là, on a encore une grosse équipe, hein, là, pour le coup. Hein. Et c'est pas moi qui ai fait du lobbying envers les personnes. Elles sont venues d'elles-mêmes. Hein, donc, voilà, tout va bien. Hein, tout va bien. Rip nous. Ouais, rip vous, mais bon, en même temps, voilà, vous vouliez votre revanche, c'est normal, on vous l'accorde, et bien, on verra. Après, je peux me tromper, on peut aussi prendre une branlée mémorable, et je l'espère que la compétition sera belle, en tout cas, il y aura compétition, il y aura match, hein, et quand il y a pelouse, il y a match, hein, comme on dit toujours, hein, évidemment. Quand il y a pelouse, il y a match. Yes. Moi, je te dis directement que pour le coup, le kick ne colle pas au drop. Super. Donc, on ne dira pas que le kick est pas bon. Monsieur Akikatsu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de ce que je suis en train de faire là. Concrètement, je suis en perte de hype. Il y a toujours un moment dans les projets où t'es là, où au début, tu vois, ça monte stonks comme ça. T'as la hype de dingue, tu te dis, ouais, c'est trop bien. Plus tu commences à creuser, à pencher dessus, à te triturer la tête, à les ménages, tu l'écoutes en boucle, tu te dis, ouais, je pourrais améliorer ci, ça marche pas, donc je vais améliorer ça, non, ça marche pas, je reviens en arrière, machin. Au final, tu clôtures un petit peu une sorte de première ébauche, de structure, tout ça, tu réécoutes, et la vague du stonk, c'est en train de descendre, et tu perds en vitesse, et tu perds en cool, et après tu te dis, bon bah je mets ça de côté, on verra ça plus tard, et au final, des fois tu l'oublies. Des fois tu reviens dessus, et ça fait une track finie, et des fois tu l'oublies. Ah ouais, non, continue à track aller ouf. Bah ouais, je sais, enfin je sais pas, je sais comme si je dis que j'étais prétentieux, tu sais. Non, je sais pas si elle est ouf ou pas, moi j'aime bien en tout cas, hein, parce que ça change, ça me fait un coup de fraîcheur à moi-même, mais je sais pas, je suis en perte de hype, ça c'est sûr. Ouais. Bref. En tout cas, c'est sûr que par rapport à ce que je fais d'habitude, ça change. Ça change grandement et ça me fait du bien de faire d'autres choses aussi des fois, de toucher à d'autres styles, de nouveaux styles. En vrai, j'étais parti pour faire de la future pop. Est-ce que c'en est, je ne sais pas, mais peu importe ce que c'est, j'aime bien ce que j'ai fait. En tout cas, pour une fois, ouais, je suis pas dans le truc redondant, machin, déjà vu, déjà entendu. Content. Alors, allez, on va écouter vite fait ça, puis après je cut. Alors, les accords me font grave penser à du Garrix, hein, pour le coup, là. C'est inspiré, c'est plus qu'inspiré, pour le coup, parce que là, t'as la même construction et tout. On est sur du Garrix, là. Et c'est bien fait, hein. Après, c'est bien fait. Par contre, l'espèce de le violon là, suraigu, pas bon. Alors, je sais pas si ton sample est dégueulasse ou si c'est ce que t'as utilisé qui est dégueulasse, mais soit c'est maltraité ou soit c'est pas bon du tout. Mais ça pique les oreilles. Mets-le en stéréo déjà, full stéréo et baisse le son. Ah,
Ah, les aigus, ils piquent, hein, par contre, hein, aussi. Hein. Check les aigus, mets un petit DSR dessus, parce que là, ça pique. Hein. Transition pas ouf. J'aurais pas mis un kick ici, tu vois. J'aurais pas mis un kick. Le Time Fields original, donc ça c'est très bien. Baissez le son aussi. Alors, est-ce que t'as mis un sidechain? Parce que là, pour le coup, il faut du sidechain, hein, de ouf. Même si c'est pas mixé, je suis désolé. Si on fait pas de mixage, on met quand même un sidechain, hein, minimum. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de drums. Il n'y a pas de jeu de drums là-dedans. C'est dommage. Pourquoi il n'y a qu'un kick? Après, j'ai posé que la construction. Ouais, mais non, mais là, c'est... Là, frère, tu m'envoies un truc, c'est même pas... Il n'y a rien de travaillé, là. Il n'y a rien de travaillé, mon gars. M'envoie pas des trucs comme ça. Parce que là, concrètement, bon, bah, le drop, au niveau du mixage, il y a tout à revoir. Parce que les aigus sont 10 fois trop forts et puis du coup t'as pas de basse, t'as même pas de sub, t'as qu'un kick, donc forcément bah, c'est pas ouf, ça manque de drums, ça manque de FX, les transitions sont pas bonnes, travaille un minimum ton contenu quand même là, parce que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il y a tout à faire, encore. Il y a tout à faire. Clairement, travaille un petit peu plus, s'il te plaît, Akikazu, sois sérieux. Et voilà. C'est où qu'on envoie les deux? Non, mais envoie MP, si tu veux. Watermelon. Watermelon. Vas-y, envoie MP. Tranquille ou bilou. Après, j'ai dit que j'allais cutter, mais va falloir que je cut. Hein. Mais travaille un petit peu plus, là, Akikazu. Fais pas le feignant. Fais pas comme avant, là. Tu recommences à être feignant, attention. Hein. Bon, voyons ça. Need You Know Extended Mix. Qu'est-ce que c'est? C'est une originale? Mixé, masterisé. D'accord, bah là au moins on peut faire un vrai review, vrai feedback. Après c'est une première où je m'attaque à ce style, donc pas l'habitude. D'accord, ouais, mais pour le coup, travaille un petit peu plus quand même. Hein. Au moins, enfin voilà, quand on demande un feedback, c'est parce qu'on veut un retour, qu'on sait pas si la construction est bonne, on sait pas si le mixage est bon, mais mec, envoie pas un truc à moitié construit et à moitié mixé, quoi. Ça a aucun intérêt. Autant pour l'auditeur que pour toi, parce que le mec va te dire un feedback de 100 pieds de long, mais tu le sais que t'as tout ça à travailler. Donc travaille-le avant, et puis si jamais t'as des doutes, tu envoies. Ah oui, c'est moi, je t'avais dit aussi pour la stab. Tu l'as changé la stab du coup? Alors, enlever le sidechain sur la stab parce que là il est trop fort, ou le baisser, hein, le sidechain, parce que là le sidechain est trop fort sur cette stab. Les accords, j'ai du mal, mais après, bon, c'est le je peux les comprendre, mais j'ai du mal, personnellement. C'est juste une question de goût, attention. Hein. Alors, attention, pas trop en abuser non plus de la stab, parce que là, j'entends que ça, limite. Essayez de la... C'est dommage que tu l'aies sortie, parce que tu pourras pas la reprendre.
Mais essaye de moins de. Je sais que c'est cool, mais attention, doucement. Ça manque d'une mid-bass pour le coup. Parce que tu vois, si t'écoutes ça sur téléphone, ça va vraiment pas bien ressortir. Il manque une sorte de mid-bass, un truc qui grésille un petit peu dans les 250-300 Hz, tu vois. Pour que ça ronronne bien, tu vois. Après, bon, le style, je sais qu'il est comme ça, très minimaliste, mais. Il y a un putain de blanc là, c'est un petit peu gênant. À ce moment-là, c'est un peu vide, c'est dommage. Là, pareil, c'est un petit peu vide. Enfin, moi, personnellement, je suis vraiment pas public. Je sais que le style veut ça, mais... un petit peu boring, on va dire le mot en anglais. Ok, après c'est la même. Non, après globalement ça va, ça passe. Hein. Le son est bien mixé quand même globalement, mais c'est vrai que j'aurais bien vu une petite sorte de mid bass là dans le drop, histoire d'apporter un petit peu de grain et de grésillement qui manque un petit peu. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de vous exciter là. Je vais voler. Ah si ça passe alors. Non, ça passe. Après je suis pas client hein, concrètement. C'est clair que je suis pas client de ce style, mais je sais reconnaître si un son est bien ou pas bien. Là, c'est bien travaillé, il y a quelques petits défauts, mais qui n'en sont pas non plus énormément, donc t'as bien taffé. Par contre, petit conseil, ne mets pas tes musiques en téléchargement direct, mon gars. Passe par des gates, histoire de monter un petit peu ton nombre de followers. Ce que je conseille à tout le monde, passez par des gates. Vraiment, c'est très chiant pour celui qui veut télécharger le son, mais... c'est comme ça qu'on peut monter hein, sur SoundCloud, hein, grâce au gate. Donc, mets pas en téléchargement direct et tu as iPedit, t'as... il y en a plein, j'ai plus les noms en tête, mais il y a plein de gates avec lesquels tu peux mettre ton son en téléchargement. C'est fait juste pour mes potes, t'inquiète, MDR. Ouais, mais même, pas forcément, tu vois, t'as déjà 32 écoutes. Donc, même si c'est que pour tes potes, faut pas négliger la chose, quoi. Parce que ça va tourner, c'est en public. Hein. Ah non, c'est en privé. Ah pardon. Autant pour moi, c'est en privé. J'ai rien dit. Mais si tu la sors, je crois que c'est en public. Si tu la sors concrètement, passe par un gate. Demande un feedback ou là. Oui, mais t'inquiète, ça va arriver. Toi, je vais te dire que c'est de la merde et puis on va cutter le live. Tranquille. Ok, non mais toi aussi, tu m'envoies un son pas travaillé ou ça se passe comment? Ouais, le piano est dégueu. Le son du piano est dégueu. Déjà, direct. Là, manque de basse. Clairement, faut de la basse à partir de là. Ah, même la sonorité du piano est pas bonne, Héroïque. T'as l'ailleurs ton piano ou ça se passe comment?
Bon, un truc d'il y a 6 mois en plus, oh là là. Mec, il manque beaucoup de choses là. Là, ça manque de, ça manque de d'impact, ça manque de tout, ça manque de layer, ça manque de basse surtout. Putain, c'est là qu'on donne le côté percussif, le côté waouh, le côté boum, comme ça avec la basse. Putain, merde. Alors, mettez des basses. C'est pas parce que de l'orchestral, tu peux pas avoir de la basse. C'est long. Ça manque d'ambiance aussi globalement. Hein. Tu peux rajouter des pieds fixes d'ambiance, hein, ça pourrait être pas mal, histoire de rendre encore le truc un peu plus épique, un peu plus darky, un peu plus sombre, un peu plus machin quoi. Ouais, mais je suis en live là. Ok. Technique qui marche bien, quoi? Je vais mettre une sub en plus, technique qui marche bien, la fin, tu peux cut. Ouais, bah, après, tu m'envoies un truc d'il y a 6 mois. Oh, elle est pas terminée, mais je voulais une idée de base, histoire de choper d'autres avis aussi d'inspi. Bah, pff, non, à mon avis, faut surtout que t'étoffes le son, là. Parce que là, ouais, concrètement, je sens bien, t'as posé ton idée, mais étoffe le son, quoi. Donne-lui à manger, tu vois. Nourris-le un petit peu, qu'il grossisse un petit peu et qu'il soit bien huge et bien fat, tu vois. Parce que là, concrètement, bon, bah, ça pète pas et j'ai du mal. Moi, j'ai du mal à rentrer dans les sons quand, bah, quand vous m'envoyez des trucs qui sont pas mixés, genre comme Akikazu tout à l'heure, qui sont pas. J'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. Moi, ouais, il faut que ce soit déjà bien, bien travaillé. Quand j'envoie des feedbacks, moi, j'envoie un truc qui est plutôt bien travaillé, qui est pas dégueulasse, qui est pas sous-mixé ou quoi. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Ouais, des strings, tout, tout. Il y a déjà une Evo dessus, mais elle n'est pas sur SoundCloud. Ok. Vous me tuez, les mecs. J'adore. Vous me tuez. Bon, vite fait, après, je cut. Hein. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Ça manque de disto. Non, je déconne. j'aurais vu stéréo, par contre, ton espèce de harpe plucky, là. J'aurais vu très stéréo, plutôt, parce que là, ça se confond avec le reste.
Bah franchement, là c'est vachement cool, hein. J'ai rien à dire. J'ai quasi rien à dire. Peut-être voir pour ajouter un petit peu de FX quand même, histoire de rendre pareil le truc un peu plus ambiant, tout ça. À voir peut-être, je suis pas sûr aussi si tu dois avoir un creux dans les. Dans les bas au niveau des 100, entre 100 et 200 Hz peut-être. Possible que tu aies un creux entre la sub et la basse. Peut-être à rajouter un petit truc pour que, bah, que ça fasse le lien. Parce que là, concrètement, bah, j'entends bien la sub, j'entends bien la basse, mais ça glue pas, tu vois. Il n'y a pas de glue, de glue. Hein, ça matche pas. À voir, après je peux peut-être me tromper aussi, hein. Attention, j'ai pas la science infuse. Hein. Par contre les mecs, là je cut vraiment, hein. Je fais ma petite pause et après je relance pour le Clash Challenge, hein. Les amis, vous m'en voulez pas. Je vois que vous êtes beaucoup à demander des feedbacks, peut-être qu'on fera un live feedback semaine pro, je sais pas. Je vais voir, je verrai avec moi-même pour organiser mon planning, ça peut peut-être vous intéresser, je sais pas. C'est vrai que j'en fais très très peu des live feedbacks et que j'en donne très peu au final aux gens. Et ça peut peut-être vous intéresser d'avoir mon avis, j'en sais rien. Mais travaillez vos sons, en tout cas. Travaillez bien, surtout à Kikadzu. Allez, à tout à l'heure.